Nous allons aborder aujourd'hui un sujet beaucoup plus léger que ceux que nous avons l'habitude d'évoquer ici même. Je veux parler des candidates à Miss Réunion. L'élection Miss Réunion, c'est le 26 août, dans un mois donc. Nous venons au quotidien d'accueillir les 12 candidates pour une séance photo. Et puis on a échangé un petit peu. On aime ou on n'aime pas. Mais dans ce monde où les problèmes ne manquent pas, où les tensions sont très vives, où les menaces sont fréquentes et parfois lourdes, voire mortelles, il est vrai que cette élection apporte son petit lot de bonheur à notre île chaque année, régulièrement. Et je prends exemple sur cette séance photo qui vient de se dérouler. Le personnel du quotidien qui était présent ou qui a vu les candidates arriver a souhaité faire des photos, c'est des photos souvenirs, et puis ils vont les partager, et ils le disent eux-mêmes, ils disent que ces photos, eh bien, elles vont être très commentées, ils vont les envoyer à leur famille qui se trouve en métropole ou en tout cas hors de l'île de la Réunion, et voilà. Les Miss, c'est un moment de partage, c'est un moment d'émotion, c'est un moment d'ambition. De partage parce que chacun, même si on est très éloigné de tout cela, des concours de beauté en particulier, eh bien on a sa petite idée sur qui pourrait gagner cette année. Et un moment d'émotion. Parce que c'est vrai, il faut imaginer ces jeunes filles qui sont suffisamment courageuses quelque part pour se projeter sur le devant de la scène avec leur grand sourire, magnifique sourire, et puis dire qui elles sont, ce qu'elles sont, comment elles voient l'avenir, comment se projeter aussi devant tout le monde dans une carrière professionnelle. C'est aussi ce moment d'ambition qui est important, d'émotion également bien sûr, puisque au moment de l'élection, mais bien avant aussi, le rythme cardiaque s'accélère, l'adrénaline monte et il y a un enjeu, voilà, il y a un enjeu important pour elles, mais je pense également, pas seulement pour les candidates, pas seulement pour le comité Miss Réunion, mais il y a également un enjeu pour l'ensemble de notre société et bonne vie et longue vie à ce concours et à ce comité.